105.3, Rouge FM, amour, cœur, ça tombe directement dans le thème ce matin avec l'approche de la Saint-Valentin vendredi. On a pensé donner des petits trucs aux célibataires ce matin en invitant David de Paré, qui est le fondateur de la compagnie L Code Séduction, qui existe à Drummond, une compagnie qui donne des cours, qui donne des trucs de séduction aux gars comme aux filles. David, bon matin. Bon matin. Content que tu sois avec nous. Ben, moi aussi. Es-tu célibataire, David? Non, okay. Je suis en couple. Bon, tu vois, alors ça marche. Ça fonctionne. Yes. Deux ans de bonheur. C'est bon. Écoute, allons-y tout de suite avec des trucs. Il y a des gars qui nous écoutent ce matin, il y a des filles aussi qui sont célibataires. Quel est le conseil que peut-être, si on parle des gars, tu pourrais donner pour peut-être réussir à trouver l'âme sœur ou trouver quelqu'un, une compagne de vie, mettons? Le premier conseil que je donnerais pour un homme, OK, c'est d'enlever son principal blocage. OK, il y en a plusieurs, mais le principal blocage, c'est vraiment... la phrase, entre parenthèses, moi, je serais vraiment désespéré d'apprendre ça. Okay? Ce blocage-là, c'est sûr que s'il pense qu'il est désespéré de découvrir la séduction ou d'apprendre ça, ben, il va se fermer à tout ce qui existe comme information, les livres, etc. Il va se fermer à ça. Fait que je pense c'est la première étape, c'est de défaire ce blocage-là. De s'ouvrir à ça. Exactement. Moi, je suis pas rendu là. Faudrait vraiment être désespéré pour apprendre sur la séduction. Je n'ai pas besoin de ça, moi, je te le dis. Exactement. C'est ce que j'entends beaucoup et je leur réponds. Ah oui, est-ce que tu trouves que les coachs de tennis sont désespérés? Coachs des Roger Federer de ce monde? Tu sais, les joueurs de tennis, ils ont des coachs. Pourtant, c'est les meilleurs au monde dans leur domaine. Comment t'expliques ça? Quand je leur pose la question, là, ils figent, puis ils font une même. OK, on commence, Kat. Ça, c'est le gros bras. Ça, c'est pour les hommes. Okay. Les filles, hein? Pour les femmes, c'est plutôt la phrase « Ah, ben là, c'est pas naturel. » Ils ont comme une espèce d'association de séduction égale pas naturel. Et ça aussi, il faut que je leur donne des exemples pour leur montrer que, dans le fond... il faut faire attention, là. Faut pas mélanger tout ça, là. Mais parlons-en de ces fameux trucs-là, là. Si on regarde, en général, ça fait à peu près un an que t'es à Drummondville avec ta compagnie. Gros bobo de nos Drummondvillois, là. Qu'est-ce qui marche pas? Ben, c'est sûr que moi, quand je reçois des questions comme ça, je les sépare toujours selon les sexes, hein, parce que mes services sont vraiment adaptés pour hommes ou adaptés pour femmes. Okay. Fait que si je vais pour les hommes, ils sont souvent ou ils paraissent en besoin. Fait que dès que tu parais trop en besoin, tu deviens moins intéressant aux yeux de la fille. Okay. Si tu montres tu veux trop, là, tu sais. Tu veux trop ou si tu montres que, hey, sans toi, là, je peux pas vivre, ça fonctionnera pas. La femme est 10 fois, même 100 fois meilleure que les hommes pour détecter le non-verbal et tout ça, elle va le sentir tout de suite que lui, il y a quelque chose, il est pas bien dans sa peau. Il s'accroche trop vite. Il veut absolument quelqu'un, puis exactement. Je veux pas ça. Là, il va avoir un beau X, si je peux dire. Un beau X sur lui. Et les femmes, je dirais que c'est plus au niveau de leur demande. Ils sont trop exigeants? La liste d'épicerie qu'ils vont tout de suite dire au début. Tu sais, ça fait 2 minutes, là. Puis moi, je te dis tout de suite, là, mais si j'ai pas mes 2 enfants, là, oublie ça. J'exagère peut-être un peu, mais je suis pas loin de la vérité. Ça, j'ai pas de misère à croire ça. Je veux savoir, là, on est dans un souper présentement, c'est notre première date à moi et Martin, OK? Premier souper, on se rend compte, la pire erreur qu'on peut faire. Parce que ça va peut-être arriver, là, en fin de semaine, là, la pire chose qu'on peut faire, là. Ben, premièrement, je te dirais qu'un souper pour une première rencontre, c'est loin d'être une bonne idée. Tu vois déjà. OK, hein? 5 à 16, c'est trop. J'ai plein de surprises pour vous. Et deuxièmement, lors d'un souper, c'est la pire erreur, c'est d'être radin. Et ça, c'est beaucoup les hommes qui la font. Okay. Le fameux moment de la facture. Fait qu'on prend la facture. On paye. Si vous êtes un homme, vous devez de proposer de prendre la facture. Okay. Ou du moins de sonder pendant la conversation du souper, subtilement, l'intérêt de la fille là-dessus, c'est quoi son opinion sur le fameux moment de la facture? Parce que ce que tu veux pas, en tant qu'un homme, c'est d'arriver à la fin, « Hey, je vais te prendre 2 factures », puis que la fille te regarde, « Toi, t'es un méchant cheap, beau X », et là, tu sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé encore. C'est terminé. Est-ce que tu conseilles à madame d'accepter que l'homme prenne la facture? Définitivement. Oui, ce n'est pas le moment pour madame d'afficher, je sais que les femmes... Mon indépendance! C'est ça, c'est correct. Tu sais, c'est correct, on est dans cette ère-là, mais c'est définitivement pas le moment de le faire à ce moment précis. Là. Vous avez aimé les conseils qu'on vous a donnés ce matin. Que David nous a donné. Une compagnie L Code Séduction a décodé l'indécodable. Il fait beaucoup de déco là-dedans. C'est un coach en séduction. C'est disponible ici à Drummondville. Tu donnes des formations, tu donnes en groupe, seul à seul également. Exactement. Les gens qui seraient intéressés, comment on fait pour te contacter? Ben, mon site internet, le www.lcodeseduction.com.
Parfait. Alors. Et on a une page Facebook aussi, facebook.com/elcodeséduction. Qu'est-ce qu'un coach en séduction fait le soir de la Saint-Valentin? Il va être au salon Vivre en solo. Ah! Je vais être conférencier. On va avoir notre kiosque là-bas. Je vais être avec ma copine tout le week-end avec, devant le kiosque. Alors, super. Ben, écoute, un gros merci d'être venu pour ces trucs-là. Merci beaucoup. Puis si jamais vous êtes célibataire, que vous avez besoin de petits trucs, parce que comme tu le dis, des fois, il faut un coach, ben, n'hésitez pas à contacter Elcode de Séduction. À 7h14, au retour.